maintenant actuellement dans la Maison Blanche, côté que a gagné le président Joe Biden ensemble avec le premier dame américain Jill Biden, et bien pour accueillir le présidentiel Kenya. On a parlé de président William Ruto ensemble avec le premier dame, qui est en tête d'une délégation qui a visité Washington et pratiquement son visite qui a duré une semaine. Et la délégation déjà aux États-Unis et depuis mercredi 22 mai, il y a déjà dans la capitale fédérale américaine, dans Washington DC. Et c'est la première dame américaine, Dr. Jill Biden, qui lui-même est accueilli là, qui était descendu en avion dans Andrews Air Force Base, donc son base militaire américaine qui est dans l'État américain, donc tout près capitale fédérale là, tout près Washington DC. Donc son rencontre, son visite d'État, et que la délégation Kenya a fait, que le président Kenya particulièrement a fait, après pratiquement les fins acceptées à leur importance dans le contexte. C'est important dans le contexte, c'est après. Et le président Kenya a fait accepter pour prendre tête une mission multinationale, des forces multinationales qui peuvent aller en Haïti pour accompagner la police nationale. Donc c'était un petit démarche que les États ont fait, les États-Unis n'étaient pas qu'à entrer dans le mission ça, le Canada n'a pas qu'à entrer non plus tout, c'est bien l'autre pays qui n'a pas qu'à pour décoller, mais au moins Kenya a été accepté pour prendre tête délégation ça, pour venir et pour arriver et venir prendre tête. Donc c'est une visite d'État. Et visite ça, il y a la dedans d'abord qui est en première rencontre qui a déroulé dans Maison Blanche à côté du président Joe Biden avec le chef d'entreprise et qui est chef à côté de la délégation Kenya pour parler certainement d'affaires, d'opportunités parce qu'on est des gens de voyage ça, ils ont toujours représenté une sorte d'opportunité pour les pays, pour le président visiteur là, qui cherche un nouveau marché pour le pays. Donc c'est le cas du président Kenya. Et venu avec des relations justement pour chercher un nouveau marché. Donc, il y a à chaque fois une opportunité là-dedans. Donc, c'est déboucher la chercher très certainement. Et par ailleurs, ça a un sens de motivation, encourager les entreprises américaines pour investir au Kenya. En même temps, pour ouvrir le marché à tout, permettre que les produits kenyans rentrent aux États-Unis, quelle que soit l'opportunité. Donc ça permet de créer l'opportunité des deux côtés, investissement fait d'un côté pour créer le travail, la CAI pays et la CAI pays en Kenya par exemple, et puis les produits qui fait au Kenya et tout, et même quand ils viennent aux États-Unis, ils dans l'autre marché. Ça qui permet que l'économie du pays a bien marché. Donc ça, c'est aspect ça que nous gagnons. Donc nous avons que après le président dans Washington, arrivé après que M. Tédia a fait une escale dans Atlanta. Et quand il était passé environ deux jours, plus passer deux jours, et pour arriver là. Alors, nous pouvons regarder l'autre aspect et rencontrer l'aspect aspect politique là. D'abord, c'est pas jeudi qui est vraiment actif qui a commencé. Le président Kenya lui-même, par une cérémonie là, qui a déroulé des dômes là, côté de la garde là, des dômes là. Donc, par une cérémonie, c'est là que monsieur a rentré dans la porte, ça, là, pour l'entrée, pour l'entrée dans la porte de la garde là. Et c'est là, la rentrée pour la, justement, et rencontrer avec le président Biden. Après, pas le moment de tête à tête, son rencontre tête à tête côté du chef d'État. On va discuter et relations bilatérales entre les deux pays. D'abord, son compliment, son bon bagage lié pour Kenya, parce que c'est pas facile qu'un président américain, même demander si ça, en fait, même qu'un président américain accueille un président africain en termes de pour dans une visite d'État. Donc, les visites d'État, c'est ça le par là dans les salles dire. Donc et monsieur l'a vu dans la visite d'État que l'a fait, donc le calvin là. Et ensuite, il parle en tête à tête avec le président Joe Biden, justement, pour qu'il va discuter. Et relation bilatérale en deux pays, qui est amélioré, qui est capable de faire plus bien, etc. Ensuite, la portée économique, pour qui les États-Unis sont capables d'aider Kenya et continuer à avancer parce que Kenya a été une référence en termes de peacekeeping. Ou encore mission maintien la paix à travers le monde, mais Kenya a participé dans plusieurs missions de la paix, c'est peut-être qu'ils ont fait que l'idée est d'accord pour point et mission Haïti, et que il y a une difficulté de la Kali en termes de monde qui t'a
contesté, opposition qui a contesté, il a allé dans le tribunal, tout ça n'a pas marché, donc mission l'a continué. Donc ça, c'est côté que Kenya lui-même dit pour lui. Pour les jeunes, donc les États-Unis par rapport à Kenya, dans ce sens-là. Ensuite, il y a le dossier Haïti, là, pour que les gens aient des difficultés pour les jeunes au pays, pour accepter, parce que c'est bon, on mission maintient la paix qui va en Haïti, à son mission sécurité que lié, même là que les Nations Unies et d'accord, le Conseil de sécurité a fait l'équipe d'approbation pour mission ça a fait. Si seulement il y a besoin de patron pays pour accepter, pour peut-être mission, les grands ténors, par exemple, pour, et les États-Unis, le Canada, ils n'ont pas tellement chauffé pour être prêts à être mission pour quelle que soit l'implication de cette là-dedans, ils ont travaillé pour raison par eux. Mais en principe, le Kenya est un pays qui a accepté pour être prêts à mission. Donc, c'était déjà les États-Unis, plusieurs fois, plusieurs délégations et américaines allées au Kenya, même pour aller rencontrer l'autorité. C'était une délégation haïtienne pour aller au Kenya, ils ont rencontré les délégations policières, rencontré même pour discuter la situation politique, la situation sécuritaire, qui est le Kenya capable de faire pour aider, pour supporter et même réussir la mission. Parce qu'ils ont une mission et Kenya en Haïti. Il est important pour lui réussir parce que vu que l'investissement que les États-Unis font, la démarche que les États-Unis font et la mission ça, par exemple, l'aspect logistique là, les États-Unis sont censés pratiquement ses responsables à la logistique jusqu'à présent, c'est qu'ils ont construit tout le bâtiment pour permettre que les soldats, non seulement en Kenya, mais l'autre soldat qui a soutenu dans l'autre côté, ou bien les policiers qui a soutenu dans l'autre côté, qui a venu participer à la mission ça, pour le côté collé, pour permettre que la mission ça bien réussi. Déclaration que, par exemple, la police nationale a fait sous question, a dit que ce n'est pas Kenya qui va le diriger, qui va le prononcer de bail, c'est eux-mêmes qui ont fait ça, les initiatives, la coordination, c'est la police nationale qui a fait, ce n'est pas Kenya. Et donc, encore, il s'ajoute des informations à sortir. Mais il y a un tout là. Et c'est une rencontre qui est aussi important pour Haïti, aussi important pour les États-Unis qui sont censés et permettre des moyens logistiques pour mission. Et de l'autre côté, là, c'est souterrain même, c'est qui est capable de combattre, réduire le phénomène de sécurité là, qui est censé représenter un handicap pour. Quelque chose qui a fait à l'avenir, là. Par exemple pour les élections, par exemple. Et on conseille, c'est vrai, mais les élections, il faut qu'il y ait une condition de sécurité assez en place pour permettre que les électeurs, pour permettre que les candidats mènent une campagne, les électeurs aient une sécurité assez, pour ajouter des bulletins pour choisir le nouveau leader, d'après le règlement. Et ça qui dit, le 7 février 2026, tu as un nouveau leader, un président élu, qui a pris ma tête dans la main, conseil présidentiel transition. Et bien c'est ça, et c'est la manière du nom, c'est là que tout va dérouler. Donc, pratiquement, le président Kenya est déjà là, et aux États-Unis, il est déjà dans Washington, donc on va aller pour nous. Il y a un créole à sous place pour nous porter au. Tout ça qui est dans le consulat, tout ça qui est dans qui dit entre le président Joe Biden avec le président William Ruto, les offres rencontrées entre eux, même fin de parler, ils ont pu partager avec la presse, non seulement la presse locale, mais la presse internationale qui est intéressée tout avec la situation, avec la présence li, et puis toute la situation dans le pays d'Haïti, et puis la mission en lui-même, que Kenya peut-être lié à qui stratégie que va le mettre sous pied pour réussir ce sens-là. Voilà, mes amis, je suis content de vous avoir parlé avec nous. Donc, on va apporter un petit peu de détails pour un peu plus tard sur exactement sur et visite d'État et chef et président Kenya a fait aux États-Unis. On va apporter un peu plus de détails pour vous avec la délégation ça. Mais nous, sur place, et puis, on va informer et surtout, on va vous parler plus toujours jeudi 23. Mais là, par exemple, nous parlons pas de exactement de qui est le grand point qui est discuté entre deux leaders, surtout sur le plan politique et économique, mais surtout sur ce qui est passé dans le pays d'Haïti concernant la mission ça que nous-mêmes Haïtiens, nous-mêmes téléspectateurs de la Voix d'Amérique, nous remet en pile et que nous intéressons en pile pour nous connaître exactement qui ça va avoir passé. Voilà, c'était depuis la Maison Blanche, c'est Jean-Aubert Philippe, qui a dit Nico, bonsoir. Jacqueline Nakaela, il est gentil là, et Jean-Marc Abela, oh, Fred, pas là.
Fred tourner dans le pays. Là, le New Jersey. Mais la tourne quand même pas tiré. Donc, il est avec nous quand même, mais quand même, il va sous mon calage. Et puis, ce service là, tout, ça va donner à nous ce dire. Et bon retour, parce qu'il était manqué. Et depuis, il est venu vraiment différent nous, que nous avons raté la présence. Nous disons merci à Bill pour tout ce qu'on lui. Eh bien, voilà. Bonne journée tout le monde. Merci parce que vous toujours avec nous. Nous saluons Roselaine Metellus, Immaculée Lafleur, nous saluons Jean Beauvais et qui toujours garde nous tous, Junior Pierre. Merci pour écouter nous. Nous saluons Grégoire Den. Merci Grégoire Den pour écouter tout. Nous comptons parce que vous toujours avec nous. Henri Saint-Ville. Merci Henri Saint-Ville. Et parce que vous faites choix mais cette nouvelle. Nous saluons également Henri Saint-Ville, qui toujours à tout, nous dit merci en pile, et dans ce sens, parle, qui estime que le travail est important. Nous saluons Villers Fils, qui toujours à tout, blessé, nous dit merci en pile, parce que yo, bah, il travaille pas moins importance. Nous saluons Chris Nord Léon, merci Chris Nord pour écouter, pour fidélité. Nous saluons Roulaine Prendi, merci parce que vous quittez commentaire dans le cadre d'émission qui nous a gagné pour matin, dans la première heure, vous faites voyage là nous. Tant qu'on nous te dit, Victor Salnav, j'adore Ouven, Jenny Baptiste, Janine Petit-Homme, merci en pile avec Mounsayo qui fait mes sacs nouvelles, Blaise Info, Pain Nouvelle, Votre Calbas Info, vin pratiquement et choix le bataillon pour vous informer sur tout ça qui a passé en dedans pays d'Haïti. Ça compte tout l'autre fan inconditionnel, nous, que Big Up Paris Virginie dans le premier tranchant, nous mettons été fidèles, salutations, nous, rité, dans le fond, acte dans le fond, Blaise, ouais, jeune salutation là quand même. Blaise, c'était ça. Effectivement, Désir Menes, nous allons venir avec Kelito, t'as le conseil, et puis Claude Nadé Antoine, mais n'a petit désir. Et je dis, moi, à poser une question, qui ça exactement que conseil a réglé? M'a pas parler de division, et m'a pas parler que m'a dit chaque conseil a réglé ça fait pas yo, mais moi, trouvé que, jusqu'à présent, après presque, après t'as le conseil que conseil a réglé un mois, depuis qu'il a été prêté serment, moi poko wè et poko senti mboko tande on action concrète que conseil imposé et que peuple haïtien qui a dit que ah action ça opposé hein montrer à clair que yo vinn faire un bagay yo vinn régler un bagay parce que depuis 25 avril que yo prêté serment et installé et depuis le 30 avril que Edgar Leblanc fils qui lui-même c'est coordonnateur conseil là ou bien président conseil là jusqu'à présent qui encore a parlé a fait bel discours et qui qui beaucoup atterri qui beaucoup atterri et qui a un ensemble de décisions qui prend dans mitan conseil yo sept ça qui siège qui a droit de vote et puis deux qui c'est observateur qui pas droit de vote que ensemble de décisions ça yo yo beaucoup publié dans le journal officiel payant le moniteur. Est-ce que c'est un choix? Ou dis-moi ce que, est-ce que c'est litige qui existait entre conseillers qui fait que, ensemble, ou ensemble de gros décisions qui prend, que le poko capable de publier? C'est des questions que nous avons posées. Mais, en plus, nous avons dit que, une fois que le conseil a installé et prêté serment, il a commencé à mettre au travail. Et puis, le travail que le commencé à émettre la fête, et pour commencer à voir les réponses, c'est décider pour que vous commencez à attaquer le problème d'insécurité. Et ouais, jusqu'à présent, dans même jour 18 mai 2021, pendant que Edgar Leblanc fils, qui est coordonnateur conseil, a fait des discours, a dit que, et à l'occasion de sa 21e anniversaire de drapeau, hein, il n'y a pas de territoire perdu, chaque mètre, et c'est pour l'État haïtien, et c'est dans le même moment ça, que Bandi, 400 Maozo, qui est la tête de la mort sans joue, avec pelle excavatrice, a crasé, prison civile, quoi, des bouquets, hein, côté de déjà crasé pour te faire que prisonnier ou sauvé, et puis commissariat, quoi, des bouquets. Et qui pigou et calotte, qui pigou soufflette, que Edgar Leblanc fils, qui t'a prononcé parole ça, et tout reste conseil, qui yo même tout, qui fait partie conseil présidentiel, ça capable prendre, pendant que y a parlé, pour montrer que
pas qu'il y ait insécurité, pas qu'il y ait des zones perdues en dedans pays, et bouta bandi au contrôler quoi des bouquets. Bandi au contrôler Badelma. Bandi au contrôler Bel Air. Bandi au contrôler Cité Soleil. Bandi au contrôler Canaran. Bandi au contrôler Matisse Fontamara et Gressier Peignier, bien que, je dis, hein, la police nationale d'Haïti, UTAC, SWAT, et BLTS, Boyd et Udmo, y a essayé de garder comment que y a capable porter solution, comment que y a capable porter un petit mot sur résultat, un petit mot sur la paix dans la commune Gressier. Et n'a dit clairement que c'est pas essayer de porter solution résultat cosmétique, mais c'est porter de solution et de résultat qui permettent que, pas je dis comme si. Même après 10, 15, 20 ans, que payant, les constabilités, les sécurité qui d'habitude la donne, et qui permet que la vie capable de fonctionner des Yévenesses. C'est facile pour M. Dame qui est le conseil présidentiel, faire déclaration. Ne poser action de la personne dans les yeux ou bien dans le comportement. Yo, tout le monde qui ce n'est pas un bagage qui est facile. Parce que la façon qui ont investi au pouvoir, la façon qui ont cherché le pouvoir, li pas gagné dans préambule li pour au moins te faire bagarre pour Haïti pour faire une bataille contre l'insécurité. Ou d'ailleurs nous voyons chaque qui est dans le conseil là, yo gon philosophie, yo gon idéologie, yo gon discours dans chaque espace que on pral parler, même qui a parlé en même temps depuis au pas même côté ou après ou chaque yo gon on parole différent. Il était clair. Il est clair pour le comme ça. Parce que dans la prestation de yo chaque président te prêter seulement même gens avec ça aussi que il a organisé élection pour te désigner pour te venir comme président conseil là yo tout te prêter même seulement ça veut dire yo tout yo c'est président je dis ya même pense que on ti crasse volonté bon côté conseiller présidentiel yo qui c'est haïtien authentique qui peut-être passé dans l'administration publique déjà qui pas vraiment un bon passé qui t'a dû profiter des occasions ça ce n'est pas un carte en blanc que vous faites au cadeau, mais au moins pour réfléchir sur le problème que le pays a connu, pour t'a posé pion yo, même avant mission en venue. Pour expérimenter la police nationale d'Haïti, pour expérimenter la force l'armée d'Haïti, malgré ce embryon, chaque fois qu'il a parlé de lui, nous devons féliciter mémoire Jovenel Moïse, qui était estimé un pays sans l'armée, son pays sans défense, n'importe bagarre qu'a fait là-dedans. Ou après, il était subi de toute discrimination, bon côté net qui a fait politique, je dis, qui a parlé bien fort, qui a des plans de sécurité, même lui-même, qui a parlé de l'armée qui a mené opération pour résoudre le problème. C'est lui-même qui a brûlé l'armée à l'armée probandane, l'armée céleste, il était traité de tout, il était mal tout qualificatif. Il était péjoratisé l'initiative Jovenel Moïse. Il a utile, je dis, il faut que vous assumiez responsabilité pour aider Haïti à sortir dans sa lière. Étranger à venir. Tout le temps, ça, Moïse. Peut-être, monsieur Damio, moi qui comprenne, l'aime dit ça. Je ne sais pas qui langue qui m'a dit pour vous comprendre. Monsieur Damio qui a venu à 4 missions de cette personne. Il a sans doute a venu pour venir gérer affaire paille. Pour gérer affaire haïtien, c'est peuple là. En premier lieu, c'est la police avec force l'armée d'Haïti qui est là. Parce que c'est eux-mêmes, c'est en support, en soutien que mission a venu. Mission pas fin mener opération. Planification d'opération yo, yo lié avec la police, avec la médaïti, et puis mission a bayo support ak soutien sans ça. Si pas de volonté, si pas de travail qui déjà fait dans niveau la police, dans niveau la MEA, pour préparer moral yo, pour yo affronter danger qui est en dans le pays. Tout bon vrai. Si yo pas essayé de regarder l'administration police, qui est connexion avec bandi, qu'a parlé dans le téléphone avec bandi, si on pas essayé de regarder matériel la police, que bandi prend contrôle, channel, radio, communication, il a communiqué avec la police. Mais la police a communiqué au compte de stratégie la police, garantie, et au cap saisi, ouais, mission en vini, il a fait forfait face bandi. C'est pas parce que bandi est plus puissant. C'est pas parce que bandi a de plus matériel. Mais c'est négligence et ignorance qui a cause qui s'est arrivé. Plusieurs missions passées déjà. OK, nous pas pratiquer yo échoué, yo réussi pour tête yo pour groupe pays te voyer, mais problème Haïti a 5-10 ans après
li toujours été même pareillement et même plus difficile pour peuple là qui connaît des situations qui extrêmement difficiles. Vingé plus d'âmes en circulation. Si vous attendez barbecue qui parlait, il dit en 2004 six âmes qui t'ai gagné yo, c'est pas yo qui gagne là, il y a plus que 400 fois la valeur âmes qui t'ai gagné en Haïti. En 2004 à jeudi, il 4 fois la 400 fois la valeur âmes. Ça veut dire, il dit c'est ce coup d'âmes que monsieur yo a venu. Oui, c'est ce coup d'âme qui vous devez venir. Je dis, laissez-les. Qui était en dedans? C'était avion dépassé dans un tas par rapport avec employé SNGRSO avec qui était en meilleur mouvement. Martin Bonella, qui était en meilleur mouvement pour capable de demander ou demander l'État qui doit plusieurs mois, vraiment plusieurs mois, il a demandé l'État pour capable de payer. Et ce n'est pas la première fois qu'il fait un mouvement ça. Ce n'est pas la première fois qu'il fait un mouvement ça. Je dis, encore. Je t'ai bloqué, et bien, où t'as place Kazoua, son espace Blaise, vous connaissez bien. Et bien, m'envoie, je t'ai bloqué espace là, pour capable de demander avec l'État, pour capable de payer plusieurs mois, et l'État libère l'idée, parce que vous avez madame, vous avez petit, et faut que vous payez l'école, faut que vous mangez, et bien, vous demandez avec l'État, pour capable de payer plusieurs mois, et avant tout, Claude de Antoine, rete souligné avec parce que ça m'a partagé ça comme information et qu'on ferait nous dans le temps. Bon, par contre, si monsieur exerce métier, on a parlé de Elia Josué de bon, c'est journaliste Radio Zénith, on nous change ça bien. Et m'a gardé l'information que monsieur est en public là, que m'a gardé, que monsieur dit que go disposition qu'a prend là pour opération commencer rapide vite pendant arriver force là dans pays d'Haïti. D'après ça, que yon sous dans pire au niveau dans la police tant gagné selon ça il y a Josué dit gè gros rencontre qui commencé depuis dans journée qui c'était et journée lundi ça là entre invité cap gè pour accompagner force là dans opération à état major police tant police haïtien cap dans opération yo pas gè accès accès pour faire vidéo cadavre bandi qui tombé dans opération yo. Bon oui peut-être ça les gars parlent de vérité me comprendre ça peut éviter mais gè des gros coup lève nous prend forme nous ouais forme nous sûr que ouais visage. Ah oui, il y a des gros couleurs sinon. Ça très important. Ça veut dire d'accord que OK, nous pas prendre grand comme si public imagine mais il y a des gros poissons sin que dans l'instant. Faut nous ouais poissons dans l'instant. Laisse ça nous garantir que et oui, on va être capable. Mais problème non, OK, pour raison et humanitaire, bah qu'on est allié en capable besoin capable grand public et cadavre photo mais honnêtement et l'en bran gokonyo, faut nous montrer mon gokonyo. Ça vrai, faut nous montrer mon gokonyo. Ma pas avancer toujours. Et selon ça qui dit, bon côté, même texte que Elia Josué lui-même, lit en public, mais il écrit sur page Facebook, il dit que demain, je n'ai qu'à mardi 21 mai 2023, il y a une délégation qui a privé dans le pays d'Haïti à 18h du matin pour chiter à gros état-major police nationale pour dernier touche et opération a bien pour fête dans fief bandit. Bon, ça c'est sûr. Et a bien chat blindé cap sous grand action pour permettre un citoyen paisible passer pendant la police même avec force là et puis l'armée a déchuqué bandio dans fief bandio d'après même sous nan haut niveau état major la police non mais conseil présidentiel là bay tout avali bay tout autorisation sans réserve pour déchuquer tout bandi dans quelques square côté bandio yé dans pays d'Haïti des autres des nouvelles là et ben moi il a privé la calme. Oh, clair, mon cher, la caillou tête droite, mon cher. Oh, fou, mettre là. Bon, la caillou, égale, ou la caillou, c'est un autre côté d'adou, allez, dans deux, c'est le troisième position, pour aller la caillou, bon, deux. Et, Claude, on doit avancer, non, parce que, quand on me demande des petits poses à nommer, on me devait partager ça avec Zami et Zami et nous, mais, je suis certain que, Kounia, et j'ai décidé de dire à l'œil, faut qu'il y ait de bonnes dispositions pour ne pas flûter l'information de la police. Et parce que, clair, parce que bandit, on connaît. Faut comme si, pour bandit, on va gagner et jouer yo. Attendez, mes amis, faut que bandit, on va gagner jouer yo en dedans et ensemble de haut, tout qui va mener l'opération. Parce que ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Gagne pile fois, gagne de police, gagne de troupes qui va mener l'opération dans la base bandit. Le temps est arrivé, bandit, on va connaître ça, on va sauver. Il va t'en sauver. Parce que, au sein de moun qui va mener l'opération, qu'on gagne de agenté, qu'on gagne agent double dans mitan nèg. Il faut que vraiment gérer information et opératoire que la police avec l'armée et puis force après le mener. Claude, dans l'avance, Claude. Claire invitation, qui t'aime dire, on est rentré dans le pays, à titre de même, yo, t'aime très tôt dans le matin, je dis, avec surtout activité de transport et bien plusieurs machines qui t'aiment à faire direction.
Renon avec le département centre, tu as plusieurs bus qui ont pris direction, tu as dit Carrefour, camionnette qui a pris direction, Chada pour l'émission, et tout, il y a un pile monde qui prend direction, Général Bataille dans la machine, qui t'a pas sorti dans l'entrée nord PIA. Mais pendant que l'entrée nord PIA sous route nationale numéro 3, ou qu'on est route nationale numéro 3, li entre dans la zone Canaran, mais pendant que l'entrée tout dit Blaise, eh bien, monsieur et Canaran, qui vient dans la tête de Jeff Laose, qui est tout le monde sous nom Jeff Gaulois, monsieur Saogen, on opération lancée dans la zone ZA. Depuis ce côté qui vient caoutchouc Blaise, eh bien, yo prend yo. Et ce côté qui vient caoutchouc, yo prend tout caoutchouc ça au rentré en grand Canaran ensemble avec yo. Mais par contre, pour qui raison, pas pour qui raison, eh bien, monsieur, même, yo lancé opération, chercher caoutchouc dans tout point, dans tout bloc, dans toute zone. Capable de rentrer avec eux dans la base. C'est ça. M'kounouè force de l'ordre, yo kon utilise caoutchouc pour faire bouclier, nan mette sable là-dedans. Et bien, monsieur, il semble qu'il constituer des boucliers en dedans pour empêcher d'arriver sous yo. Bon, c'est ça. Bon, par contre, mais vous savez qui a prouvé l'important là, c'est caoutchouc avant le casse-côte et le désir. D'abord, c'est vous capable de dire qui a fait 4 routes 9 activité au tête fouette dans la zone ça, mais route 9 là, lui-même commence à lui-même lié. Donc, merger les beaux villages de la Renaissance, Carrefour Renaissance, Carrefour Fuji, Carrefour du Vivier, toute zone ça, activité commerciale, lui-même, il a fait Timon là, qui était en prenant direction l'école le matin là, il est maintenant à tourner tout. Et dans la zone pleine là, tout élève, lui-même, c'est avec uniforme, il a allé l'école. Dans la zone pleine là, tout élève lui-même, c'est avec uniforme, yo aller l'école par un causeur civil, dans plein nord, depuis sortir dans la zone Canaran pour couvrir jusqu'à la zone Ténoir, zone Barrière-Fer, tout espace là où l'école lui-même, yo fonctionne, mais tout le monde, c'est avec uniforme, yo aller. Nous venons dans la zone Carrefour, Vincent, pour regarder comment l'activité lui-même, yo est dans le niveau Carrefour, Vincent, l'activité lui-même, yo a fait sans problème, yo est pas mieux. Le fond de présent dans niveau 40%, ça qui a pris direction stade de la couronne, ça qui a mis des têtes de droite sous zone commune solaire, et ça qui a mis des têtes de zone 3, mais sans problème, activité même en fait, par exemple, ça se douille, comment ça lui-même lié, tête fouette, tête reposée, et bien ça a gagné quelques jours là, et bien activité même de fait sans difficulté dans niveau 40%, et bien blindé à lui-même quitter le fond présent dans l'un de la patria, il faut qu'on dise blindé à vous tellement à l'aise dans niveau 40%. Ah ben même pied au coin métal, policier au coin métal, pied au terre, doit faire quelque chose, faire ski, faire moto, ah ben même pied au métal à terre pour que ah ben monsieur bandit, il est net, ah ben monsieur qui prend la blende dans le niveau carrefour de l'orgue des fois là on doit passer, il met pied au terre, soit à petit vent, ah ben soit parfois vous vous, ah ben activité dans zone zone même faite sans difficulté, il est dans le niveau carrefour dans zone 3 mètres.